Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la Gata TV. Vous êtes avec le Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un vraiment petit jeu sur l'eShop. J'ai nommé Foxyland, présenté par Rataleiga Game. Donc il est disponible dès aujourd'hui sur les Nintendo Switch. Donc c'est un jeu en 2D, il est disponible depuis le 29/11/2019. Donc voilà, petite intro 2D 8 bits, comme on aime. Voilà, pour la présentation. Donc Foxyland, classe d'âge 3, les langues allemand, anglais, espagnol, voilà. La taille du jeu fait 29 MO, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'emmerder pour 30 MO. Et le jeu est à 5 euros sur l'eShop au niveau du Nintendo Switch, de la Nintendo Switch. Le développeur c'est Bug Studio, l'éditeur c'est Aura Monkey. Et il était disponible sur les différentes plateformes Microsoft Windows, Linux, macOS. Et il est enfin disponible sur Nintendo Switch. Donc voilà, je vous ai passé l'intro. Donc, jeu 2D en rétro, il vous proposera d'aider Foxy à sauver sa petite amie Jenny en exploitant ou en explorant 36 niveaux avec la possibilité de récupérer des pierres précieuses et des cerises. Donc voilà, c'est parti. Je vous ai fait la présentation du jeu. Donc on va voir ensemble s'il est bien, s'il est pas bien. Pour 5 euros, je vous ai déjà présenté un jeu sur Nintendo Switch au même prix. Au niveau des paramètres, on a le son, d'accord, la boutique, voilà, menu principal. Ok, c'est parti. Donc un petit jeu de plateforme, comme on aime. Donc le bouton B, je saute. Le bouton A, je fais rien. Le bouton Y et le bouton X, je fais rien, d'accord. Donc pour l'instant, j'ai que le bouton B qui est assigné. Ah, d'accord. Bienvenue, appuie sur pour se déplacer. D'accord. Appuie sur B pour sauter. D'accord. Oh, c'est magnifique. Là en bas, il y a des pics. Ah, la petite bande son 8 bits comme on aime. Hop, c'est parti. Donc c'est parti pour un petit let's play découverte d'une vingtaine de minutes. Wow. Donc là, on collecte toutes les gemmes pour terminer le niveau. Ah, d'accord. Ah bah j'ai terminé le niveau je crois. Ah bah voilà, 3 étoiles, nickel. J'aime bien déjà le petit loop là, le petit beat qu'il y a sur ce jeu, Foxyland. Et donc il était déjà disponible sur PC. Et je me suis dit pourquoi pas le présenter sur Nintendo Switch. Les petites pépites comme ça, on va pas se faire que les gros jeux, je l'avais dit. Petit jeu indé comme ça, c'est toujours bon à prendre, surtout pour 5 euros, on peut se faire plaisir. Hop. Il n'en manque un. Ah d'accord. Ah, j'avais. D'accord. Ok. Là, je peux pas y aller. Cacher. Toucher le lit. D'accord. Sois prudent, ces blocs ne sont pas d'accord. Mais il va me falloir le dernier. Là, faut que j'aille chercher. Il me faut quand même le dernier gemme. Ah bah nickel. Impeccable. C'était le double saut que j'avais carrément zappé. Donc je suis comme vous, hein, je découvre le jeu. Et franchement, pour un petit jeu 8 bits, il est super sympa. Moi, j'adore. Je kiffe. Là, je peux pas encore y aller. Voilà. Bon, voilà, je sais pas comment je vais faire. Du coup, il va me le falloir. Ah, d'accord. Solution était là. Tout mon nez. Nickel. Tout, 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 tout. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté Foxyland sur Nintendo Switch. Donc on arrive dans le troisième niveau. On va voir. Oula. Ça attaque déjà sévère. Hop. Voilà. On va aller chercher ce qu'il faut. Et je pense que je vais avoir. Voilà. Ce qu'il faut.
Ah, j'ai perdu. Et voilà. Nickel, on a fait le niveau. Donc assez rapidement. Et c'est super sympa. J'ai pas grand chose à dire parce que du coup je m'éclate. Voilà, il faut le dire, il y a... faut pas grand chose pour s'éclater. Et c'est généralement dans ces jeux-là qu'on se retrouve. Moi personnellement. Hein. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ah, d'accord. Okay. 13 cerises que j'ai récupérées. Nickel. Voilà, je vais pas aller chercher, ça sert à rien. Oula. Ouah, j'ai perdu. Et nous voilà dans le niveau suivant. Alors, hop. Voilà. On se concentre. Hop, on récupère un maximum de trucs. Ok, il me reste 2 cœurs. J'en ai cramé un pour rien. Voilà. Nickel. Hop. On n'a pas pris tout, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de récupérer les gemmes pour terminer le niveau. Et voilà, on a terminé le niveau suivant. Nickel. Donc on se retrouve dans le niveau suivant. On va laisser... on essaye de chercher les 4 gemmes. On va voir ce que ça donne. Donc jeu super sympa. Archi prenant. Voilà. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Et voilà. On prend son temps, on y arrive. Et du coup, au niveau maniabilité, c'est super pratique, hein, y a pas à dire. Bon, voilà, pourquoi il veut pas. Voilà, c'est fait. Et voilà, on a réussi ensemble ce niveau. Donc là, on est au niveau, je sais pas. On est dans un niveau, mais je sais pas c'est lequel. Voilà, donc ça fait déjà tout. Quelques minutes qu'on est ensemble. Faut pas le temps passer. Franchement, je kiffe. Voilà. C'est quoi ça? D'accord, il y a un truc là. On en a là. Bon, comme ça c'est fait. Ah non, je voulais tuer le matou. Bon, je veux pas. C'est bon. Et on a terminé. Impeccable. Bon, je suis pas très bien joué là sur cette partie, mais bon, c'est pas grave. Wouah! Pas vu ça moi. On va attendre un peu là. D'accord. Je peux se baisser, voilà. Sinon on prend cher. Ah bah non, moi je suis pas d'accord. Ah bah non. Ah bah non, moi je suis pas d'accord. Je m'en tape tout. Ok. Tout. Le petit loop est sympa, j'aime bien. Ok, voilà, ça va plus vite là. Ouh, hop, et c'est bon. Oh non. Ah voilà. Nickel. Et franchement, je kiffe. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la présentation de Foxyland. Alors moi, personnellement, je kiffe. Le jeu est disponible hein, sur PS4, Xbox One, PC, PS Vita et Nintendo Switch. Je tiens à le préciser. Il a été présenté par Rataleika Game. Excusez-moi si j'ai un peu écorché le nom. Mais bon, il est disponible sur Nintendo Switch, je le rappelle, depuis le 29-11-2019. Voilà, donc vous pouvez l'acheter. Il est disponible au prix de 4,99€. C'est vraiment un petit prix pour une grosse éclate. Moi, personnellement, je kiffe. Après, est-ce que vous avez aimé pas ce let's play? Bah, c'est à vous de me dire dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois sur Agatha TV pour une autre vidéo.
Et mon avis sur ce jeu, personnellement, je kiffe à mort. Je pense que je vais le poncer, je vais vraiment le terminer pour mon plaisir personnel. Voilà. Parce que ces petits jeux-là, j'adore. Voilà, tout simplement, vous l'avez remarqué hein, déjà sur la Gata TV. C'est mon kiff, les petits jeux en 2D comme ça, 8 bits. C'est un pur plaisir, un pur régal. On n'est jamais déçu. Salut et à la prochaine. Bye!